J'ai dédié ce disque à ma maman. Vendredi 9 novembre, Mireille Mathieu fait son grand retour, avec un nouvel album inédit, le premier depuis 13 ans. Comme elle l'a expliqué sur RTL, ce disque est un hommage à sa mère, décédée il y a bientôt 3 ans. Avec son nouvel album inédit, dont la sortie est prévue vendredi 9 novembre, Mireille Mathieu compte bien surprendre le public. Dans ce disque intitulé « Mes classiques », l'interprète de « Pardonne-moi ce caprice d'enfant » revisite les plus grandes mélodies de la musique classique. Accompagnée par l'ensemble symphonique de Prague, elle chante sur du Brahms, du Schubert, du Mozart, ou encore du Verdi, un pari osé, mais qui était cher au cœur de la chanteuse. En effet, comme elle l'a expliqué au micro de RTL, dont elle était l'invitée ce mardi 6 novembre, la musique classique revêt pour elle une importance toute particulière. J'ai été bercée par l'opéra. J'ai toujours rêvé de faire un CD double vinyle de musique classique, a-t-elle expliqué. Mais outre son affection pour le classique, Mireille Mathieu a également souhaité, avec ce disque, rendre hommage à celle qui fut sans doute la personne la plus importante de sa vie. Sa maman, Marcelle Sophie Mathieu, mère de 14 enfants, est décédée le 20 mars 2016 à l'âge de 94 ans. Ce disque, je l'ai fait.